Si vous à peine connecté sur canal ça, n'a pas rappelé ou sur tvlacaille.com, c'est canal pour là qui entre la caillou avec une nouvelle vidéo et des nouvelles informations que nous porter pour compatriotes nous yo, amis nous yo, fans nous yo, tout le monde qui croit dans nous yo, n'a pas qu'embé informé 24 sur 24 que ce soit et sur ça qui a passé dans pays d'Haïti. À crès monde là, pas hésiter, taper tvlacaille.com et puis restez là. Gros nouvelle que nous portons pour là, eh bien dossier assassinat président Jovenel Moïse là, et n'a dit que enquête là et donc ou bien justice là l'a marché là parce que finalement yo remettent ministère justice dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous connaissons tout de suite que Dimitri Era te fin parler à Vili Léon Charles tout la gueule civile tout nèg sa yo te parler et que te croisé donc nan paquet et bien n'a dit que jodi an la genyen porte-parole PNH la ki se Gary Desrosier ki li même nou pral faire outande la ki t'a bay plus détails toujours sur dossier ça. Finalement, et bien nou gen ti kal l'espoir que Jovenel Moïse li même ta ka jwenn justice pou nou pa di pral jwenn justice parce que nous connaît comment ça fonctionne la kay nou Haïti chéri doudou. Et bien mesdames et messieurs, n'ap di ou que genyen Pierre Espérance tout ki li même sorti dans silence li concernant et diverses sanctions qu'a prend là contre des gros chabrak, des gros palto à bon coton dans le pays d'Haïti. Et bien États-Unis, Canada frappé sanctions sur sanctions. Finalement, il y a des gens qui dit ah oui, on commence à gagner l'espoir pays ça va changer parce que nous avons tout de suite gagné ISO, gagné Tilapli avec divers autres encore pour ne pas dire Chris là. Et bien qui ont même décidé mettre tête ensemble nèg yo parler selon ça information yo dit. Et bien mesdames et messieurs, n'a dit que okay, c'est tout de suite après et après Bidjo, après Abdallah, après l'OTAN et Gopalto que États-Unis fin sanctionné et c'est là nous pral ouais nèg yo même bandi yo fait la paix. Et donc nous ouais patron nèg yo gen problème et nèg yo obligé à gérer et bien ti ministre yo gen là dans moment mais gen moun qui dit pas gen bon la paix qu'a fait vrai c'est fou là. En tout cas, si tu gen la paix on t'a souhaité ça mais là nous connaît vraiment difficile entre et pour nous pas dire entre et ISO avec Tilapli mais plutôt entre Chris là et Tilapli. Mesdames et messieurs, bagaille dégénéré, nous allons inviter autant de Pierre Espérance avec porte-parole PNH là Gary Desrosier qui lui même pral ban nous détail tout concernant yon rapport barricade cour qui lui même pote nom et Clotaire Jean Josué et monsieur Gentinon li Kondagana. Et bien monsieur qui lui même non problème avec la justice là avec un dossier et maître et bien Kondagana lui même qui parle gain pour et bien rendre la justice parole qui parle ba explication li et concernant accusation ça ou bien et zak crime ça que artiste barricade quoi lui même t'a impliqué. En tout cas, vous êtes connecté sur vidéo jusqu'à la fin guys, n'a pas tourné. Concernant dossier jeune journaliste qui était perdu la vie, que nous songeons, qui c'est Robinson Romelus. Gagné plusieurs actes d'enquête qui réalisés déjà dans le cadre de dossier ça. Sous peu, l'inspection générale a en mesure pour que les bails dernier avancement dans le cadre d'enquête ça. Gagné plusieurs mondes qui auditionnaient, policiers et témoins. Et gagné l'autre plainte que le journaliste qui est victime de certains comportements de policiers qui portaient plainte au niveau inspection générale, tout ces ça y a traité et au moment opportun n'a pas mis la population au courant en toute transparence. Et nous toujours dit que la police lit impossible pour que les vannes travaillent sans collaboration ça, sans partenaire ça qui c'est la presse. Et ceci dans quel que soit domaine que presse ça, que l'écrit, que le télévisé, que les parler que les online. Et concernant dossier et président Jovenel Moïse, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Kaili, rapport enquête là au niveau inspection générale fini, la joigne
ministère de la Justice pour suivi administratif. Nous connaissons que la fête n'est pas loin. Tout le monde, même les situations difficiles, mais malgré la situation, il y a toujours un esprit justement pour le fêter, comme son tradition au niveau de la direction générale là, pour toujours prendre ensemble des mesures pour que soient capables d'accompagner les populations lors des festivités. Côté que nous connaissons que un peu partout, capable de gagner des activités qui liées à l'activité quartier, côté que capable de gagner, monter des sangs, ou capable de zone d'Elma, de l'autre zone de métropolitaine qui danse dans l'époque ça, surtout le 24 et 31 décembre, gagner un PNH qui est mobilisé, pas simplement au niveau de l'Ouest, mais tout le pays, hein, et pour que nous capables de créer d'abord visibilité, présence des policières, pendant que nous parlons avec nous, pendant que nous avons venu, probablement, pas qu'on a qu'ils ont nous passé, ou après que des checkpoints, ça entre justement dans l'ensemble de dispositions qui prend. Mais disposition, ça a été pratiquement là, pas appliqué, et dans zone, et dans zone 16-17, pour que les finis, et le 3 janvier. C'est porte-parole de la police qui tape pas de comme ça, commissaire divisionnaire Gary Deosé, qui bat une conférence pour la presse. Il fait qu'on a 82 policiers qui sont en prison sous l'ordre de la justice pendant le préciser qu'il y a 7 là-dedans qui déjà jouent une condamnation. Sorti mois de septembre pour y arriver mois novembre, ça, qui se passe là. Dans la conférence pour la presse, il bat jeudi, qui c'est 7 décembre, porte-parole. Et PNH non qui t'a présenté bilan deux derniers mois yo fait qu'on est la police là à chercher sous con chien fou artiste vedette barricade croyelé Jean-José Clotaire mais plus qu'on est sous nom et Conde d'Agana et qui impliqué dans assassinat et Livertil et Gary Deosé préciser Conde d'Agana li sous liste et policier il a metté dehors dans la police là il a prévoqué. Et pendant que porte-parole de la police là parallèlement fait connaître inspection générale là a travaillé sur plusieurs dossiers et côté des policiers qui impliqués dans trafic zam ak munition Gary Deosé parlait de 1552 moun et qui jeune arrestation en tout ak 10 et une dizaine bandi la police stoppé alors dans langage la police là dit stoppé ça veut dire vide à terre qui mouri sans côté zam ak munition yo saisi. N'attend des porte-parole police nationale là inspecteur divisionnaire Gary Deosé dans conférence pour la presse côté Joubert Joseph te présent pour Radio Kiskeya. Nous enregistrer et au niveau accident circulation 23 monde et qui malheureusement mouri lors d'accident circulation et dans l'ouest c'est 15 en tout il y a 45 blessés pour l'ouest simplement il y a 34 gagné environ une dizaine de bandits qui stoppaient lors d'un champ de tir avec la police et gagné plusieurs munitions et qui arrivaient et confisquées gagné environ une dizaine de armes qui saisies gagné 7 dossiers de drogue qui traitaient au niveau de BLTS qui s'est entité au niveau de la DCPJ gagné 27 kilo 276 grammes de marijuana qui saisit, gagné 1 kilo 2 grammes de cocaïne qui saisit, gagné 375 munitions qui saisit, gagné pour dollars américains, gagné 30,165 dollars américains qui saisit, 39,950 goudes qui saisit, la noté comme ça, il y a transféré au niveau de BAF qui, encore une fois, ont cité au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. En total, gagné 1,552 mounes qui joignent arrestation. Encore une fois, il faut noter que le bilan ça a dit pas simplement au niveau de l'Ouest, il concernait tout le département. Et ce général tout a travaillé sur un ensemble de dossiers tout qui impliquaient de plusieurs policiers dans le trafic d'armes et munitions et de concert avec le CPJ. Il y a plusieurs gagnés et enquête là qui a avancé administrative au niveau de l'inspection générale. En total, nous gagnons 82 policiers qui écroués aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi eux, gagnés pour pipiti 7 qui condamnés. Inspection générale font ensemble de recommandations pour qu'il soit capable de faire des renvois en dans l'institution. Et gagné Johnny Janvier, policier 8e promotion, il s'était impliqué dans l'assassinat Fernand Théogène le 2 janvier 2022 sur la route de frère côté que yo te joine pour ça dans machine monsieur gagné Clotaire Jean Josieu que tout le monde connaît nos artistes li qui c'est Con Canada qui c'est policier 20e promotion qui lui-même était impliqué dans homicide qui était fait sur un jeune qui est Vertil Eli canapé vert côté que tout le monde était pratiquement parlé de ça et monsieur Caral inspection générale fait une recommandation pour révoquer Clotaire Jean Josieu alias Contagana, qui c'est une artiste barricade. On a parlé des questions sanctions. Tout ça qui est arrivé là en la pays, question gangsterisation pays, il n'est pas arrivé fait sans complicité autorité étatique, sans complicité acteur dans la chaîne pénale là, particulièrement la justice là. Nous-mêmes dans RNDDH,
ça n'a observé qu'à passer dans le paquet Port-au-Prince, dans quoi des bouquets. Eh ben, c'est des bagages qui n'ont pas jamais ouais. Côté que bandits, ils n'ont pas de prison pour eux. Et kidnappés, ils n'ont pas de prison pour eux. Acteurs, paquetiers, depuis qu'ils ont entré dans la prison, ils prennent l'argent dans la main, ils ont libéré. N'a pas rappelé, dans la date 10 juin 2022, les gangs dans le village de Dieu ont attaqué par les justices. Je te dis, nous attaqué par les justices, c'est parce que les bandits par nous qui sont en prison, n'a pas les bandits village de Dieu, c'est une déclaration ça a été fait. Les bandits par nous qui sont en prison, nous payons, va libérer, mais les CGNF, ils ont libéré bien vite. Mais pas grand fait, et c'est ça qui est vrai. Qui conséquence sanction yo en façon durable pour image pays, accès impliqué comme responsabilité pour autorité, institution haïtienne, les pigou représentants élite pays qui en bas accusation grave ça yo. Qui ça, la justice haïtienne doit faire? N'a qu'à ça. Le mini justice AIA fait déclaration pour le dire pas. Kèr, Port-au-Prince, pral mouvri yon anket sou moun yon sanksyone yo, et ben son pot oui, ke ministre an louvri pou moun sa yon apa kèr, jan yon korompi, pi fò la den yo, pou yon asele moun yo, pou yon fè l'ajan avec yo. Si ministre te di, li pral fè vetin de pa kèr, li pral louvri yon anket sou comportement moun yo. Bon, tellement gen scandale tout au niveau paquet nan tête paquet pour tête paquet ministre pas même besoin l'ouvrir enquête parce qu'il y a gen des dossiers, il y a gen plainte et si yo te respecté population, si yo t'a fait travail yo, si yo t'a travail dans intérêt population, yo t'a changé moun yo pour mettre moun qui là qui appliquer ça la loi dit mais moun qui pas dans connivence avec bandi. Donc jodi an moun sa yo pas capable d'engager aucune poursuite contre moun parce que moun sa yo corrompu. Et puis si n'a pas les sanctions pendant pas les sanctions et puis c'est même gouvernement ça qui alimenté bandi yo dans période coupe du monde là yo ba yo comme avec télévision on gagne CAS là que assistance sociale c'est pour jeunesse et aller li la. Et gen de moun ki très puissant nan bureau premier ministre ki très puissant et ben ki continue à utiliser ka prend l'argent trésor public là nan alimenter bandi. Mais c'est moun sa yo pour société à sanctionner. C'est moun sa yo pour la justice engager poursuite contre yo. Mais pour la justice engager poursuite contre yo, nous même dans l'NDH nous mandé pour bon vetting qui fait nan paquet quoi des bouquets avec juridiction pour tout ça passer. Ça qui a passé là li inacceptable, li révoltant. Nous pas capable encore. Li pas normal pour gang yo aussi puissant comme ça, pour tout viol ça yo, pour victime yo et puis moun yo pas capable de porter plainte. Gagné pour pipiti, nous accompagner victime nan attaque, massacre qui fait dans le quartier défavorisé, il y a 13 plaintes qui portaient déjà là dans la juridiction Port-au-Prince. Pas aucune poursuite qui est engagée. Rien. Bandio, il fait ça au blé parce que l'autorité n'a peut-être pas qu'elle yo, yo n'a connivence avec bandi. Il a mangé l'argent kidnapping, il a mangé l'argent bandi. Et c'est ça qui fait bandi yo puissant comme ça. Naturellement, ça ne veut pas dire que nous pas gagner des femmes avec garçons qui honnêtes dans la justice là. Gain qui fait preuve. Ça qui là, qui n'a peut-être juridiction ça yo, des juridictions ça yo, pas rien qu'on capable de faire avec yo. Et si kounye la, soit disant que yo ta di pral louvri anket kont moun que yo sanctionné avec moun sa yo sans pas retirer yo sans pas gon vetting qui fait, et ben c'est mando mande moun sa yo pour y al assez les moun sa yo pour y al faire pression sur moun yo pour ba yo l'argent parce que ça gien là dans juridiction Port-au-Prince là et avec quoi des bouquets ou pas ka fan rien là avec yo. Naturellement c'est pas dim di tout moun yo pas bon non, mais faut gon vetting qui fait pour ça qui bon yo pour mettre yo environnement pour capable travailler, n'a appliquer la loi, n'a protéger société contre insécurité, contre délinquance, contre zak banditisme. Directeur exécutif NDDH, monsieur Pierre Espérance, toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoré, il dit sorti novembre 2018 pour Yves Jounen Jodia, NDDH recensé 19 massacres à Katak gang armée ou fait dans quartier populaire, alors que gang criminel continue à circuler libre et libre en bagé tout le monde qui a dirigé le pays. Défenseur doit mon nom, d'une majorité attaque yo, bandi yo, yo joindre appui des policiers dans diverses unités dans PNH nord qui fait couverture pour yo pendant y a fait série attaque ça yo, yo utiliser tout de engin lou qui pour l'état et de blinder la police pour commettre crime ça yo.
directeur exécutif NDDH nan, pa kache jan indigné d'après avoir la justice haïtienne représenté yon nan principal poto mitan ki kembe impunité à corruption nan pays a. N'attendez une autre fois encore directeur exécutif NDDH nan, monsieur Pierre Espérance nan micro Vladimir Maurice Idoé. Tout d'abord, faut que nous reconnaître que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans kembe impunité avec corruption dans le pays. La justice là pas jamais mette le bon côté population hein, et acteurs dans la chaîne pénale là en général, y a toujours une motivation économique, politique qui guide yo dans décision qu'il prend. C'est pas